Finalement, dans quelques semaines, Sylvie Vartan et David Hallyday pourraient en terminer de leur guerre avec Laetitia Hallyday, qui pourrait renoncer à une poursuite lancée en mai dernier. La paix enfin. Et le magazine Gala faisait état de cette action en mai dernier, et affirmait que la veuve du taulier était décidée à contester devant la justice la cession par Johnny Hallyday de sa part dans la propriété de la villa de Montmorency. Une butte du quartier d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris. Cette cession aurait été consentie en règlement des conséquences financières du divorce de Sylvie Vartan et son regretté ex-mari. Sylvie est sonnée par tout ce qui arrive, de voir que sa maison se retrouve au cœur de ce débat sordide, confiait un proche de la chanteuse. D'après le magazine Public dans son édition du 5 juin, ce serait bientôt la fin de conflit. La veuve du taulier profiterait de son retour en France pour trouver une issue favorable à cette histoire d'héritage. Et faire la paix avec David Hallyday, et par conséquent avec la mère de celui-ci, Sylvie Vartan. Son retour serait prévu en juillet. Dans quelques jours, leur rendez-vous parisien devrait être porteur de soulagement. Puisque tous sont sûrs de passer à autre chose, a glissé la publication. Audrey Crespo-Mara, en couple avec Thierry Ardisson, une terrible rupture. En couple depuis des années avec Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara annonce la fin d'une belle histoire. Une rupture. Un choc. La magazine France Dimanche fait état de son numéro du 5 mai d'une rupture. Un choc évidemment. La journaliste mariée à Thierry Ardisson a décidé de mettre fin à cette histoire sans donner d'explication, rapporte dans un premier temps l'hebdomadaire Peuple. Et cette rupture a été annoncée par la journaliste elle-même sur Twitter, où elle est très présente. Et nous nous attendions à pire, fort heureusement, il n'est pas question de la vie sentimentale de la journaliste et encore moins à sa belle histoire avec Thierry Ardisson, l'ex-animateur de C8. Il s'agit de l'arrêt brutal de son émission Dreco sur LCI, après deux saisons. Après deux saisons passionnantes, Audrey Dreco va s'arrêter, a annoncé la femme de Thierry Ardisson, qui a tenu à remercier les fans pour leur soutien. Elle restera à l'antenne jusqu'à fin juin. Pour autant, elle ne quitte